bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour faire un tag. Et comme vous avez pu voir au titre, c'est le cocooning tag. Alors j'espère que la vidéo vous plaira. Et donc c'est parti, j'ai les questions sur mon téléphone. Donc let's go. Alors, première question, que regardes-tu ou que lis-tu dans un moment cocooning? Alors, qu'est-ce que je regarde? Je regarde tout ce qui est Disney, dessin animé. Voilà, je suis une enfant dans ce moment-là. Et qu'est-ce que je lis? Donc actuellement, je lis ceci. Donc c'est la série Calendar Girl. Donc là, j'ai janvier que j'ai bientôt terminé. Il y a mon petit marque-page avec le petit pompon. Donc j'en suis à janvier. Chez janvier, il me reste février, mars, avril, parce que mai n'est pas encore sorti. Donc tout simplement, c'est ce que je lis. En ce moment, je vous reparlerai de cette série de livres quand je les aurai à peu près bien lus tous. Mais voilà, sinon je vous en ferai un article sur mon blog. Et sinon, n'hésitez pas à aller voir, je crois que c'est Noémie de la chaîne Noémie Makeup Touch, dans une de ses vidéos qui en a parlé de ses livres. C'est là que je les ai découverts. Si je retrouve la vidéo, je vous la mettrai en barre d'infos. Donc voilà, qu'est-ce que je lis dans les moments cocooning. C'est ça en ce moment. Ensuite, deuxième question, que portes-tu? Donc dans les moments cocooning, j'aime bien rester en fait en pyjama. Voilà, n'importe quel pyjama que j'ai, voilà, j'aime vraiment bien rester en pyjama, totalement pyjama, pyjama et pyjama. Troisième question, produit favori pour prendre soin de toi. Les produits que j'utilise pour prendre soin de moi dans les moments cocooning, donc j'utilise un lait pour le corps. Donc là, c'est le lait douceur corps à la pomme d'amour de chez Nocibé. Je vous en ai encore une fois fait un article sur mon blog de la gamme. Le lien en barre d'infos. Et cette gamme, elle sent juste, mais juste trop trop bon. Donc n'hésitez pas à aller la sentir en magasin. Ou si vous l'avez senti, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Ensuite, niveau gommage, en ce moment, c'est celui-ci. De chez Yves Rocher. Donc c'est un gommage à la pêche qui sent juste, mais... J'adore, j'adore, j'adore. Donc, en ce moment, c'est ce gommage-là. Et la dernière chose que j'utilise pour prendre soin de moi, ce sont des masques. Donc là, je vous montre un de mes chouchous. C'est un masque en tissu de chez Sephora. C'est le purifiant détoxifiant que j'adore. Donc voilà, les petits masques, faire un bon masque, gommage, masque, etc. C'est juste top. Donc voilà, ce sont les choses que j'utilise dans les moments cocooning. Quatrième question. Ton vernis favori du moment? Alors, je ne vais pas répondre à cette question tout de suite parce que je compte vous faire une vidéo prochainement qui va parler de ça. Donc voilà. Ensuite, cinquième question. Est-ce que tu manges ou bois? Non, qu'est-ce que je mange et qu'est-ce que je bois dans les moments cocooning? Donc, ce que je mange et ce que je bois. J'aime bien boire du thé, j'aime bien boire un peu de café. J'aime bien, si je fais un gâteau, le manger, sinon manger des bananes. J'aime bien manger des fraises aussi. Récemment, je me suis trouvée, même moi, je n'arrive plus à me suivre. Mais les fraises, voilà, j'aime plutôt bien. Et voilà. Des fraises avec un petit peu de citron. Mais pas beaucoup, un petit peu. Ensuite, ta bougie préférée. Alors moi, actuellement, c'est bien une bougie. Que j'aime bien faire brûler, c'est une tartelette de chez Yankee Candle. C'est celle à la vanille, je crois, que je tiens brûler actuellement. Je crois au citron, je sais plus, c'est une des deux. Donc voilà, c'est pas bougie, c'est tartelette. Des activités en extérieur dans ces moments-là, c'est rare. Dans les moments cocooning, j'aime bien m'occuper que de moi, être tranquille, sous ma couette à regarder les films. Donc, je vous avoue que généralement, c'est le dimanche. Mais après, ce que j'aime bien, c'est faire un peu de marche, faire un peu de vélo, etc. Donc voilà. Ensuite, huitième question, as-tu déjà été voir un film seul? Donc si c'est un film au cinéma, non, parce que ça sert à rien en fait d'aller voir un film tout seul au cinéma, autant le regarder chez vous. Donc voilà, donc non. Dernière question, tes sites de shopping en ligne préférés, H&M, alors, H&M, CA, Kiabi, j'aime bien aussi. Je regarde un moment sur Asos, mais j'ai jamais rien acheté.
Et voilà, si j'en ai d'autres, je vous les mettrai juste ici. Donc voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner si le contenu de ma chaîne vous plaît. N'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat. Tout est en barre d'infos comme d'habitude. Sur ce, je vous fais de très gros bisous. Et nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Là-bas ne fait que nous rabâcher sa jeunesse qu'il était.